Bienvenue à la fête des tabernacles, à ce moment de l'année qui nous montre le royaume de Dieu qui va venir, le règne millénaire du Christ sur la terre avec ses saints. J'espère que votre fête est bien démarrée jusqu'à maintenant. Dans le message que je vais vous donner, je vais vous parler davantage de ce que ce temps représente, le royaume de Dieu. Je vais vous parler aussi de la loi de Dieu qui va sortir de Jérusalem dans le monde à venir et couvrir la terre, et ce que ça voudra dire pour toute l'humanité, et à quel point ce sera réel. Je vais commencer avec une histoire ici, un récit. Il y a quelques années, mon épouse et moi avons eu l'occasion de visiter certains membres de l'Église des frères en Irlande, et lorsque nous étions là, un couple nous a parlé d'une Vieille dame, d'une très vieille dame qui vivait dans une résidence pour personnes âgées. Elle avait été dans l'Église pendant plusieurs années, elle connaissait la vérité depuis très longtemps, mais elle ne pouvait plus assister aux assemblées de l'Église. Mais à tous les deux semaines ou trois semaines, ce couple-là se rendait voir la vieille dame et lui apportait des sermons enregistrés pour qu'elle puisse les écouter. Et elle les écoutait à la journée longue. Elle ne pouvait plus aller à l'Assemblée, mais elle pouvait entendre les messages enregistrés. Et lorsque ces frères-là arrivaient avec les messages enregistrés, elle leur disait, merci d'avoir amené mes amis jusqu'à moi. Elle, elle écoutait régulièrement, tous les jours, ces sermons-là, et les ministres étaient devenus ses amis, pour ainsi dire. Alors que ce couple-là entrait dans la chambre pour donner les sermons à cette dame-là, elle disait souvent, est-ce que vous pouvez le voir Est-ce que vous pouvez le sentir Est-ce que vous pouvez le goûter et bien sûr, elle parlait à ce moment-là du royaume de Dieu. Ce qu'elle leur demandait, c'est est-ce que vous pouvez le voir, le royaume Est-ce que vous le sentez Est-ce que vous pouvez le goûter Elle savait, bien sûr, qu'elle n'avait pas longtemps à vivre encore, mais elle savait que la seconde d'après sa mort, elle serait ressuscitée. Comme on a vu à, à la fête des trompettes, au son de la dernière trompette, en un clin d'œil, les morts vont être ressuscités. Elle savait qu'elle allait être ressuscitée, et qu'elle rencontrerait Jésus-Christ dans les airs, et qu'elle reviendrait sur la terre ensuite avec les saints du Christ pour établir le royaume. Son esprit était centré sur le royaume. Elle voyait ce que ça voulait dire. Elle le touchait littéralement, elle le sentait. C'était réel pour elle. À quel point, frères et sœurs, est-ce que le royaume de Dieu est réel pour vous. Qu'est-ce que ça signifie pour vous Qu'est-ce que ça représente Est-ce que vous pouvez le voir Est-ce que vous pouvez le toucher, le goûter, le sentir Dans le message aujourd'hui, je vais vous parler davantage de ce sujet. Et j'aimerais que vous pensiez avec moi à ce que le royaume de Dieu va signifier. Allez à Ésaïe chapitre 2, s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 2. Et revoyons un des passages des Écritures fondamentaux concernant le royaume, ce qui va nous aider à réaliser à quoi va ressembler le royaume. Esaïe, chapitre 2, on voit comment ça va se passer, quand ça va arriver. Verset 3, des peuples se rendront en foule et diront Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi. Et de Jérusalem, la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des joyaux et de leurs lances, des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Alors, on voit que la loi va partir de Jérusalem et se renseigner à partir de là. Avez-vous déjà pensé à ce que ça allait ressembler lorsque le monde entier va observer les lois de Dieu et va vivre selon ses voies Est-ce que vous avez déjà imaginé lorsque le monde sera rempli de la loi de l'Éternel et que ce sera la seule loi qui sera observée et en vigueur À quoi cela va ressembler lorsque tous les êtres sur la face de la terre vont vivre selon les statuts de Dieu, vont obéir à ses commandements Comment ce sera de vivre dans un monde où les gens vont s'efforcer de vivre selon toute parole sortie de la bouche de Dieu. Mon but aujourd'hui, frères et sœurs, c'est de revoir certains des passages des Écritures, seulement certains. Passages qui se rapportent à la loi de Dieu, à la façon dont ça va être observé dans le monde de demain, ce que nous allons enseigner aux gens. Je veux vous montrer comment la vie sera durant le millénium alors que les lois de Dieu seront appliquées intégralement. Ce que j'aimerais que vous fassiez avec moi aujourd'hui, dans cette courte période qui m'est donnée, c'est d'utiliser l'Esprit de Dieu et de vous servir de votre imagination pour embarquer avec moi dans un voyage qui va nous amener à regarder comment ça va être dans le royaume de Dieu lorsque la loi de Dieu sera appliquée sur la face de la terre. Pour ceux d'entre vous qui êtes des adolescents ou des euh, jeunes adultes, peut-être que ça ne vous semble pas réel. Peut-être que ça ne vous semble pas quelque chose d'enthousiasmant, de, de, la loi de Dieu. Mais j'espère qu'avec le sermon, vous allez voir à quel point ça va être formidable. Et j'espère que ça va vous enthousiasmer de voir comment ce sera lorsque la loi de Dieu remplira la terre. Allez au livre d'Abacuc, s'il vous plaît. Le livre d'Abacuc, le chapitre 2. Nous avons un aperçu pour voir quel impact l'observance de la loi de Dieu aura sur la face de la terre. C'est vraiment formidable. Donc, Habacuc chapitre 2 et le verset 14, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer. Par les eaux qui la couvrent, qui le couvrent, pardon. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous La terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme les eaux couvrent le fond de la mer. Lorsque vous réfléchissez à l'océan, par exemple, les eaux de la mer couvrent tout le fond de la mer, et ce n'est pas une couche mince, c'est très épais. Et parfois, la profondeur de ces eaux-là, ce sont des kilomètres, des kilomètres de profondeur. Alors tout le fond de la mer est imprégné totalement par les eaux de la mer. Et il nous est dit ici que la connaissance de l'Éternel va remplir la terre comme toute cette masse d'eau dans les océans couvre le fond des océans. Extraordinaire. Ici, c'est un verset très puissant. Allez à Ézéchiel chapitre 47, s'il vous plaît. Alors nous allons examiner davantage ce sujet-là. Ézéchiel chapitre 47. Et on va commencer au verset 1. « Il me ramena vers la porte de la maison, et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison. » C'est une vision que Dieu lui a donnée de voir. « De l'eau sortait donc sous le seuil de la maison à l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel, à l'est du mont du Temple. » Et ultimement, ça va aller des kilomètres et des kilomètres plus loin, et ça va aller dans le désert. Et ces eaux-là sortiront dessous le temple ici. Verset 8, plus loin. Il me dit, cette eau coudra vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Les eaux seront guéries, pour ainsi dire. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. À la fin des trompettes, nous avons euh, revu le sens des plaies. Par exemple, dans Apocalypse 16, où on parle des plaies qui vont s'abattre sur le monde juste avant le retour de Christ. Et un de ces événements-là, une de ces plaies, c'est que les eaux de la terre seront changées en sang et toutes les créatures dans la mer vont mourir. Alors, cette vision ici qu'Ézéchiel a reçue de Dieu, c'est que ces eaux pures qui vont sortir du temple à Jérusalem vont redonner la vie aux créatures aquatiques dans les lacs et dans les océans. Allez à Jérémie, chapitre 31, s'il vous plaît. Jérémie, chapitre 31. Jérémie 31 et le verset euh, 31. «Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai une alliance nouvelle avec les maisons de Judas et d'Israël, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Quoi que je sois leur maître, dit l'Éternel, Verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car j'ai pardonné leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leur péché. Pensez à ça un instant. Chacun de ceux qui seront en vie au moment du retour de Christ seront exposés à l'Esprit de Dieu. Le Christ va commencer à écrire sa loi dans leur cœur et dans leur pensée, dans leur esprit. Ces gens n'auront jamais connu la vérité auparavant. Dieu ne les a jamais appelés auparavant. Ils auront la loi de Dieu écrite en eux, comme vous et moi maintenant. Et cet accès-là au Saint-Esprit sera donné à tous les êtres humains vivants à ce moment-là. Formidable! Alors, ces eaux vivantes qui vont guérir la planète, d'où est-ce qu'elles vont venir? Ces eaux-là qui vont guérir les cœurs aussi. Allez à Jérémie chapitre 2. Jérémie chapitre 2. Et il nous est montré d'où ces eaux vives vont venir ici. Verset 13. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes, des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. D'où viennent les eaux saines, les eaux vives Dieu dit que ça vient de lui, lui, l'éternel, celui qui a fait la création et celui qui est devenu par la suite le Christ. C'est lui qui est la fontaine des eaux vives des eaux vives qui guérissent la terre et qui vont couvrir la terre. Une fois que le Christ sera revenu, et ça va venir de Christ, du Christ. C'est ce que le Christ veut pour les gens. Et ces gens-là, nous allons avoir l'occasion de les enseigner. Allez à Jean chapitre 10, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que le Christ est la source des eaux vives. Qu'est-ce que ça signifie pour le monde dans le fond Jean 10, verset 10, on y lit euh, ceci. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu, dit Jésus-Christ, afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Le mot grec pour vie abondance ici, c'est périssos. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie suprêmement, extrêmement. Ça veut dire plus que tout, au-delà de toute mesure. Le Christ est venu pour que ce monde un jour soit capable d'avoir la vie, la vie éternelle, et qu'il l'ait plus abondamment, de façon totale, plus qu'on peut imaginer. Voilà pourquoi le Christ est venu. Voilà pourquoi les eaux vives vont couvrir la terre, ces eaux vives. Et voilà pourquoi la connaissance de l'Éternel va sortir de Jérusalem pour remplir graduellement la terre et la couvrir totalement. Le Christ veut que les gens qui sont faits à son image vivent une vie abondante et une vie qui leur était impossible de vivre avant son retour. Allons à Joël, le chapitre 2 maintenant, s'il vous plaît. Joël, le chapitre 2. Et nous voyons une autre prophétie ici concernant le futur et concernant comment ce sera lorsque Christ reviendra. Verset 28 Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Ce Saint-Esprit qu'il nous a été donné. Seulement quelques-uns au cours de l'histoire du monde et maintenant, long. Mais à ce moment-là, tous auront accès à cette source d'eau vive et au Saint-Esprit. Et pour la première fois, ils vont comprendre le plan de Dieu et la vérité de Dieu. Allez au psaume 119, s'il vous plaît. Psaume 119, un passage familier et qui dure toujours. Ce n'est pas un passage qui va disparaître. Psaume 119, verset 165. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Et rien ne les offense selon certaines versions. Alors à ce moment-là, il y aura de la paix sur la face de la terre. Une paix qui va durer comme ça n'a jamais été expérimenté depuis le début du monde. Qu'est-ce que vous pensez de cette paix-là? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Alors que vous êtes assis ici et que vous réfléchissez et que vous pensez à la paix dans le royaume de Dieu. Qui est représentée justement par cette fête des tabernacles. Qu'est-ce que ça veut dire, cette paix-là? La paix mondiale. Il faut le réaliser. Elle viendra, elle sera totale. Parlons-en. Et à ce moment-là, le monde entier la connaîtra. Allez à Ézéchiel, le chapitre 20, s'il vous plaît. Ézéchiel, le chapitre 20. Et ça nous donne davantage de précision ici du pourquoi Dieu va amener cette paix-là et pourquoi il ne l'a pas amenée jusqu'à maintenant. Ézéchiel chapitre 20, commençant au verset 12. Je leur ai donné mes sabbats en parlant d'Israël comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Et la maison d'Israël se révolta contre moi dans le désert. Ils ne suivirent point mes lois. Ils rejetèrent mes ordonnances, que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Et ils profanèrent à l'excès mes sabbats. J'ai eu la pensée de répandre sur eux ma fureur dans le désert pour les exterminer. Il parle de l'ancienne nation d'Israël ici. Ils ont passé 40 années dans le désert. Et lorsque ça s'est produit, les Israélites qui avaient rejeté l'Éternel sont morts dans le désert. Pourquoi Dieu l'a fait arriver à ce moment-là? Pourquoi est-ce que Dieu va laisser euh, la grande détresse? s'abattent sur les nations israélites modernes. Pourquoi? Parce qu'ils n'observent pas ces lois, ils n'observent pas son sabbat, ils ne respectent pas son sabbat, non seulement son sabbat hebdomadaire, mais également la fête des Pains sans levain, la fête de la Pentecôte, la fête des trompettes, le jour des expiations, ici la fête des tabernacles. Nous sommes très peu qui observons ces fêtes-là. Si on regarde autour de la salle d'assemblée aujourd'hui, les gens continuent euh, leur vie comme si rien n'était. Mais ils ne connaissent pas la loi de Dieu, ils n'observent pas la loi de Dieu. Pourtant, c'est une période la plus enthousiasmante de l'année. Continuons au verset 19 ici. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Suivez mes préceptes, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique. Les statuts de Dieu et ses ordonnances sont majeurs. Il magnifie les dix commandements, verset 20. Sanctifiez mes sabbats, et qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel votre Dieu. Observez ces choses-là, dit Dieu, mes statuts, mes ordonnances et mes commandements. Observez les fêtes que je vous ai données. Observez le sabbat hebdomadaire. Pourquoi Deutéronome, le chapitre 28, s'il vous plaît. Deutéronome, le chapitre 28. C'est un passage des Écritures que nous connaissons. Alors, Deutéronome chapitre 28. Dieu dit, si vous m'obéissez, si vous faites ce que je vous dis, si vous me démontrez votre amour en vous efforçant de m'obéir, à ce moment-là, je vais vous bénir. Je vais vous donner une vie abondante. Mais si vous désobéissez, si vous ne faites pas ce que je vous dis, vous serez maudits. Vous n'aurez pas la possibilité de vivre une vie abondante. De Deutéronome 28, verset 15. Alors, voyons quelques-unes des malédictions que Dieu a dit venir si les gens n'obéissaient pas. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous tes commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, c'est ce que nous devons obéir. Mettre en pratique ses commandements, ses statuts, ses lois. Voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville, verset 16, et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail seront maudites. Alors il manquera de nourriture. Vous aurez de la difficulté à avoir des enfants, c'est ce que Dieu mentionne ici. Verset 21, un peu plus loin, l'Éternel attachera à toi la peste, la maladie, les épidémies jusqu'à ce qu'elles te consument dans le pays dont tu vas entrer en possession. Verset 22, l'Éternel te frappera de langueur, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Des paroles puissantes, des malédictions affreuses qui devaient arriver et qui vont arriver encore. Le ciel, sur ta tête sera comme de l'airain et ta terre comme du fer. Et on voit ces choses-là se produire. Maintenant, on voit des famines arriver, des épidémies apparaître, de toutes sortes, et qui euh, euh, s'abattent sur les gens parce que les gens n'obéissent pas à Dieu. D'autres choses vont arriver aussi. Des étrangers vont prendre ton économie en main. Verset 43, « L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours au milieu de toi et toi tu descendras. » Verset 47, Pour n'avoir pas, au milieu de l'abondance de toutes choses, servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité, de la disette, de toutes choses, tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un jour de fer sur ton cou. Et on voit des nations étrangères euh, prendre possession de notre argent et acheter nos industries et les bases de notre structure économique. Nous vendons notre technologie, nous vendons nos industries littéralement, nous empruntons sans frein. Alors nous voyons les malédictions commencer à s'abattre sur nos pays israélites maintenant. Et que dire de l'obéissance? Allons à euh, Lévitique chapitre 23 maintenant. Lévitique chapitre 23. Dieu veut que nous observions ces sabbats. Lévitique 23, verset 2. Parle aux enfants d'Israël, tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera six jours. Mais le septième jour, le jour du repos, le jour du sabbat, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Ce sont les fêtes de Dieu. Des moments saints. Dieu dit, ne travaillez pas le septième jour de chaque semaine. Et il y a une sainte convocation. Allez à la sainte convocation. La définition de sainte convocation. Ça veut dire venir ensemble, se rassembler. C'est une assemblée solennelle commandée. Mais ça veut dire aussi comme une répétition, comme une révision. Écoutez, durant la fête des tabernacles, il y a des saintes convocations et on fait une révision de ce qui s'en vient dans le futur, de ce que ça veut dire. Le monde de paix qui s'en vient. C'est enthousiasmant lorsqu'on y pense, et c'est enthousiasmant de voir comment Dieu a mis chaque chose en place pour que nous comprenions et que nous apprenions et que nous euh, apprécions davantage. Allez à Lévitique 26 maintenant, euh, juste un peu plus loin, le verset 3. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et mes statuts et mes lois et les mettez en pratique, je vous enverrai la pluie en leur saison. Voici les bénédictions. Autrement dit, il dit observez mes commandements, faites ce que je vous dis et vous serez bénis. Observez mes statuts qui clarifient et magnifient mes dix commandements, et vous aurez à ce moment-là euh, la pluie en leur saison, la terre donnera ses produits, les arbres des champs donneront leurs fruits. À peine aurez-vous battu le blé, que vous toucherez à la vendange, et la vendange atteindra les semailles, et vous mangerez votre pain à satiété, et vous habiterez en sécurité. Autrement dit, votre terre va produire tellement qu'il n'y aura pas de temps entre les récoltes, pour ainsi dire. Dès qu'une récolte sera finie, on pourra semer à nouveau et ça va produire abondamment. Voilà les bénédictions que Dieu euh, promet. Il y aura une vie tellement abondante, des choses extraordinaires qui vont découler du fait d'obéir à Dieu. Laissez-moi vous lire quelques manchettes qu'on voit dans les journaux actuellement. Et vous savez, ce sera tellement différent dans le monde à venir. On n'a pas l'abondance aujourd'hui. On n'a pas des récoltes qui suivent les récoltes de façon dont c'est décrit ici, dans une grande abondance. Voici quelques manchettes. Au Niger, l'aide alimentaire est détournée. grand nombre d'enfants meurent de faim, selon Médecins sans frontières. Une moyenne de 40 enfants meurent chaque jour dans une petite région de l'Est du pays, là où on a effectué cette euh, recherche. Voici une autre manchette. Dans ce l'on parle du manque de nourriture. Quelques 36 pays autour du monde font face à de graves manques de nourriture, selon un rapport récent de la Commission de l'agriculture des Nations Unies. 36 pays qui affrontent la famine actuellement. Et ce n'est pas encore au pire. Un autre article, un nombre aussi élevé que 185 millions de personnes vont mourir en Afrique d'ici la fin du siècle, dû à la sécheresse et à la famine, déclare un récent rapport. Un autre article mentionne que le désert s'étend de plus en plus à mesure que les grands courants océaniques euh, sont modifiés. Alors, ça provoque une désertification. Et bien sûr, il y aura encore plus de famine à partir de là. C'est Dieu qui contrôle la température. Et Dieu commence à laisser le climat être affecté. Un autre article mentionne que la Grande-Bretagne connaît la pire sécheresse depuis un siècle. Les temps vont changer, vous savez. Et il y aura des situations plus graves que celles que nous voyons. Mais par après, il y aura une abondance extraordinaire. Lévitique 26, verset 6 maintenant. Je mettrai la paix dans le pays. Et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces. Pensez-y. Est-ce qu'il y a de la paix dans le monde aujourd'hui? Non. Est-ce que les gens autour du monde... Partout, se couche le soir en paix, n'ayant aucun souci, ne s'inquiétant pas de ce qui va arriver durant la nuit ou le lendemain matin. Non, au contraire, nombre de personnes ont peur que leur maison soit assaillie par des brigands, que leurs femmes soient tuées ou que leurs biens soient volés. Ou se couche sous le, le bruit des bombes. Mais voici la promesse que Dieu fait ici lorsque les gens vont obéir à la loi. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous. Cinq d'entre vous poursuivront 100 et cent d'entre vous en poursuivront dix mille, et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Dieu va livrer bataille pour nous. Est-ce que ça arrive aujourd'hui? Est-ce que nous avons la paix dans le monde? Pensez-y. Ce qu'on euh, expérimente plutôt, c'est le terrorisme de plus en plus répandu dans le monde. On entend parler de voitures piégées, de kidnappings. Il y a des conflits innombrables qui se multiplient dans le monde, en Irak, en Afghanistan, en Palestine, au Congo, l'Afrique du Sud, au Nigeria. Il y a des guerres civiles. Il y a la guérilla qui frappe ici et là, aux Philippines, au Sri Lanka. Et une possible confrontation nucléaire avec l'Iran qui se développe, et de confrontations de plus en plus euh, grandes entre la Chine et les États-Unis. La Russie, la Tchétchénie, les terroristes attaquent sur la, la Russie par les rebelles tchétchènes. Et les villes de la Russie sont en lambeaux, pour ainsi dire, parce que c'est la mafia russe euh, qui fait le trouble dans ces villes-là et le gouvernement ne les contrôle pas du tout, mais dans le monde à venir, ce sera tout à, tout à fait différent. Ça ne se produira plus dans l'avenir. Et voici pourquoi nous sommes ici, célébrant la fête des tabernacles, célébrant une époque merveilleuse qui va remplacer ce monde affreux dans lequel nous vivons, qui est sous la botte et la gouverne de Satan alors que les gens n'observent pas les commandements de Dieu maintenant et en souffrent énormément mais dans le monde à venir les gens vont apprendre à observer les commandements de Dieu les gens vont vivre selon les commandements de Dieu ses statuts et ses ordonnances et il y aura la paix il y aura de la joie allons plus loin maintenant pour voir comment ça va fonctionner allez à Exode chapitre 20 peut-être dites une petite prière dans votre tête alors que nous allons plus loin ici utilisez votre imagination vous savez, pour le moment, on voit, comme Paul dit, à travers un verre dépoli. On ne voit pas clairement. Mais regardons de plus en plus dans la loi de Dieu, dans, son, dans sa parole, pour voir comment ça va être. Mon fils, dernièrement, a fait une expérience. Il a cinq ans. Et il a tendance à parler des choses de la Bible parce qu'il les connaît. Et il a fait. Un commentaire sur le monde à venir. Cette personne-là à qui il s'adressait, c'est un adulte qui, est, qui a été dans l'Église autrefois, a dit, on ne sait pas vraiment euh, ce qui va arriver. Mon fils savait davantage que cet homme-là ce qui va se produire. Alors suivez-moi dans le voyage que je vous propose pour que nous ayons la vision que Dieu nous donne dans sa parole concernant le merveilleux monde qui est tout proche, qui va être établi bientôt. Voyons deux commandements maintenant et des statuts spécifiques qui vont nous montrer comment... Le monde sera lorsque ces lois-là seront appliquées et que les gens vont comprendre et en vivent et que la connaissance de Dieu remplira la terre. Exode chapitre 20 et le verset 4 ici. Voyons un des commandements qui sera appliqué dans le monde à venir et l'effet que ça aura. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. « Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Pensez-y un peu. Il n'y aura plus d'images taillées dans le monde à venir. Aucune représentation euh, des choses spirituelles dans le monde à venir pour les adorer. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Allez à Ézéchiel chapitre 14 pour voir une clarification plus grande de ça. Il n'y aura pas d'image à adorer dans le monde à venir. Verset 3. Qu'est-ce qu'il est mentionné ici? Fils de l'homme, ces gens-là portent leur idole dans leur cœur et attachent leur regard sur ce qui les fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux Voici un, un message clé ici. Dieu dit, ces gens-là ont établi des idoles même dans leur cœur, en plus des idoles physiques. Ce sont des idoles dans leur pensée, dans leur mentalité. Et ces idoles-là euh, mettent un mur entre eux et Dieu. Dieu leur dit, je ne me laisserai pas trouver par vous parce que vous, vous avez des idoles entre vous et moi. Voyons les idoles aujourd'hui. C'est partout. L'idolâtrie est partout dans le monde. Qu'est-ce que vous voyez en ce qui concerne l'idolâtrie autour de vous? Nous avons eu l'occasion de visiter euh, plusieurs nations en voie de développement à travers le monde, et ça a été vraiment une bénédiction pour nous. Et, et de connaître certains d'entre vous euh, qui écoutez ce message-là aujourd'hui. Et nous prions pour vous. Nous vous avons rencontrés à certaines occasions. Et nous vous aimons. Mais. Lorsque nous avons visité euh, des pays en voie de développement comme ça, nous sommes allés sur le marché public. Et ça nous donne une bonne idée de ce qui se passe dans ces pays-là. Quel, quel est la, le genre de vie que les gens amènent et ainsi de suite. Et en visitant les marchés publics autour du monde dans ces pays-là, j'ai réalisé qu'il y a toujours des images sculptées dans le bois, dans la pierre ou même dans certains métaux précieux à certains moments donnés. Des images qui sont adorées, que les gens achètent et qu'ils amènent chez eux pour adorer. Et il y a un prix à payer pour ça. Et quel rapport y a-t-il entre ça et l'argent et l'économie? ça coûte très cher. pensez-y un peu. pensez aux grandes églises catholiques à travers le monde, par exemple. lorsque j'étais tout jeune, nous sommes allés à la fête en, au mexique à deux occasions et nous allions sur les marchés publics et dans les petits villages aussi. et dans à peu près tous les petits villages, il y avait toujours une église catholique, certaines plus grandes que d'autres, mais je me rappelle très bien j'avais six ou sept ans. être entré dans ces églises là ou dans ces cathédrales là et à l'entrée de ces temples là, il y avait des mendiants, deux ou trois personnes qui demandaient de l'argent. ils étaient là. et on entrait dans ces églises et qu'est-ce que nous voyons? Des plafonds très hauts et des richesses incroyables, de grandes orgues, des édifices superbes, érigés sur le dos des pauvres gens. Ils étaient encouragés et parfois forcés à donner ce qu'ils avaient pour bâtir ces grands temples, où, où on, a, on mettait des tableaux de grand prix, de l'or, de l'argent, et ainsi de suite. Et ces pauvres gens, dans la souffrance, avaient ces grands temples-là autour. Qu'en est-il des autres temples que nous voyons autour de nous? Récemment, euh, nous avons déménagé d'une région près de Denver, Colorado, et près de Denver, il y a eu un temple bouddhiste qui a été construit au prix de 40 millions de dollars. Et ce n'est pas le seul endroit aux États-Unis où il y a ce genre de choses. Lorsque nous faisons le tour du monde, nous voyons de grands édifices, ces temples bouddhistes, qui coûtent des dizaines et des centaines de millions de dollars pour que les gens aillent là et adorent une idole qui n'a pas de vie, qui n'a pas de vérité. Et ça a été un outil de Satan pour détourner des millions de personnes de la vérité et du vrai Dieu. Que dire de la joaillerie, des bijoux, pensez-y un instant par rapport à l'idolâtrie. Combien de bijoux ont été créés pour adorer Des boucles d'oreilles, des pandatif des colliers, des bracelets, des bagues, des, des crucifix, et ainsi de suite. Des petites statues à, à Marie. Pensons euh, aux arbres de Noël. Parlons de tous les produits le chocolat et les œufs à l'époque de Pâques. Les fêtes païennes ont un impact majeur dans l'industrie du voyage. C'est incroyable. Ce sont des, des moteurs d'économie, ces fausses voies d'idolâtrie, et ça coûte une fortune. Il y a des gens qui ont des maisons immenses, des voitures très dispendieuses, et ça devient leur Dieu dans beaucoup de cas. Dimanche dernier, j'ai tendu le, le gazon. Pour un membre de l'Église, et ça m'a pris oh, peut-être une heure et demie, deux heures à attendre son gazon. Et le monsieur en face avait une magnifique voiture et il, il frottait sa voiture, il la nettoyait, il la polissait, et il l'entretenait, il en prenait un soin extraordinaire. Et vous savez, j'ai été une heure ou deux là, attendre le gazon, et cet homme-là n'a pas arrêté tout ce temps-là. Son épouse était probablement à l'intérieur et ses enfants ailleurs aussi. Et il était là prenant soin de sa voiture. Il ne lisait pas la Bible, il ne s'occupait pas euh, des siens. Il y, a, il y a des gens qui s'achètent des maisons de plusieurs millions, des bateaux de plusieurs millions. Et ce sont des idoles que les gens mettent devant le, la face du vrai Dieu. Imaginez euh, dans le monde à venir, lorsqu'il n'y aura plus d'idolâtrie, comment ça va être? quand notre grand Dieu, notre Père merveilleux au ciel sera le seul Dieu qui sera adoré, lui et Jésus-Christ, sur toute la face de la terre. Frères et sœurs, il y a des guerres qui ont été, qui ont été euh, réalisées et qui sont encore en cours à cause de la religion. Il y a des milliers et des millions de personnes qui sont mortes et qui meurent et qui vont mourir à cause de la religion, à cause de fausses idées. Comme ce sera merveilleux quand seulement Dieu, le vrai Dieu, sera honoré, craint, respecté, obéi, aimé. Allez à Matthieu chapitre 22, s'il vous plaît. Et voyons quelques autres paroles de Jésus-Christ, Matthieu chapitre 22 et le verset 36, concernant le fait de mettre Dieu en premier. Matthieu 22, verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Qu'est-ce que le Christ a répondu? Jésus lui répondit, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Voilà. C'est le premier et le plus grand commandement. Aimez Dieu de tout votre cœur, de tout votre esprit, de toutes vos forces. Et aujourd'hui, ce n'est pas ça qui se passe dans le monde. Mais un jour, ça va se réaliser dans le monde à venir. 1 Jean chapitre 2, s'il vous plaît, et le verset 4. 1 Jean chapitre 2 et le verset 4. Celui qui dit ⁇ Je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements ⁇ est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Mais l'amour de Dieu est parfait en hein? celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes de lui. Pensez-y. Nous aimons Dieu. Si nous aimons Dieu, nous gardons ses commandements. Nous faisons ce qu'il nous demande de faire. Manifestement, le monde aujourd'hui n'aime pas Dieu comme Dieu dit. Qu'il doit être aimé et honoré. Mais dans le monde à venir, lorsque le royaume de Dieu sera établi sur la terre, lorsque la connaissance et la loi de Dieu vont, vont couvrir la terre, vont couvrir la terre comme les eaux de la mer couvrent le fond de la mer, ce sera formidable. Les gens vont vouloir obéir. Ce sera un monde merveilleux. Il n'y aura plus d'adoration d'idoles. Les gens ne dépenseront plus de millions de dollars pour adorer de fausses choses. Mais L'attention sera sur le Père et sur son Fils, notre Sauveur. Quel temps merveilleux ce sera! Quel temps merveilleux ce sera! Ceux qui aiment Dieu vont garder tous ses commandements et il n'y aura plus d'idolâtrie. Ce sera quelque chose du passé, ce sera éliminé dans le millénaire, dans le millénium qui s'en vient. Voyons un statut de Dieu maintenant, quelque chose qui magnifie la loi de Dieu. Les statuts et les ordonnances magnifient la loi de Dieu. Alors, les statuts nous montrent à aimer davantage Dieu et à aimer notre prochain en détail. Un des statuts qui nous est donné a un rapport avec la façon de disposer des excréments humains, par exemple. Et il y a une grande différence. Entre le monde occidental et les pays en voie de développement euh, là-dessus. On n'apprécie pas ce qu'on a dans le monde occidental. Pas suffisamment. Nous allons à la salle de bain, tout ce que nous avons à faire, nous allons à la salle de bain, nous faisons nos besoins et nous activons la chasse d'eau. Et voilà, c'est parti. Et nous n'avons pas de maladie. Nous sommes bénis de cette façon-là. Mais savez-vous qu'il y a deux millions de morts sur la face de la Terre? comme conséquence de la diarrhée chaque année. Pensez-y. 2 millions de personnes qui meurent chaque année. C'est 10% de la population de l'Australie. Et chaque année, 2 millions de personnes meurent des conséquences de la diarrhée ou de maladies qui s'y rattachent. Et ce seraient des maladies qui pourraient être évitées si les statuts de Dieu étaient appliqués, mis en application. J'ai eu l'occasion il y a plusieurs années, de travailler dans une petite ville euh, en Alabama, aux États-Unis. Les États-Unis ont été vraiment bénis à cause des promesses faites à Abraham, bien sûr, mais ce petit village-là, euh, où j'étais, c'était la ville la plus pauvre de la région. Et la plupart des gens vivaient sous le seuil de la pauvreté. Et je travaillais sur un projet sanitaire du gouvernement. Et nous enseignons aux gens comment euh, diminuer les causes de la diarrhée et des maladies subséquentes. Parce que c'était le problème là-bas et même les autorités sanitaires américaines voyaient cela s'étendre et étaient inquiètes. Un, un quart de la population euh, de, certaines, euh, de certains coins de cette région-là était atteinte de diarrhée et plusieurs sont morts, plusieurs des enfants sont morts. Parce que les principes de Dieu n'étaient pas appliqués. Je me rappelle d'avoir été témoin de certaines choses. Les gens vivaient euh, dans leur maison, mais ils, ils avaient une toilette à l'eau. Mais ils, lorsque c'était envoyé à l'extérieur de la maison, ça sortait tout proche de la maison à, à air ouverte, si vous voulez. Et là, les, les animaux marchaient là-dedans, les chiens se promenaient là-dedans, les chats, les, les, les enfants euh, pouvaient marcher dans ça et éventuellement ramener ces, ces choses-là sur eux et étaient malades. Voyons ce que Dieu dit de faire avec ça. Dans Deutéronome 23, on voit le statut de Dieu à ce sujet-là ici. Dieu se soucie de chaque aspect de nos vies et il nous donne des principes même pour l'hygiène élémentaire. Deutéronome 23 et le verset 12 Tu auras un lieu hors du camp et c'est là dehors que tu iras tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu te serviras pour faire un creux et recouvrir tes excréments quand tu voudras aller dehors. Donc, lorsqu'il a besoin d'aller à, à la toilette ou d'aller faire ses besoins, Dieu dit, il y a une façon de le faire. Vous allez à une certaine distance et vous... Euh, mettez vos excréments dans la terre et vous les enterrez avec euh, un instrument euh, adéquat. Verset 14 Car l'Éternel ton Dieu marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne pas de toi. Alors Dieu donne ce principe aux Israélites à ce moment-là pour, pour qu'ils soient différents des gens autour pour qu'ils soient saints, pour que Dieu soit à l'aise de marcher au milieu d'eux. Pensez-y un, mom un moment. Dieu veut être au milieu de nous. Il nous a même dit que nos corps sont le temple du Saint-Esprit et il nous faut en prendre soin avec une hygiène adéquate. Et nous devons faire en sorte que l'environnement où nous vivons soit euh, acceptable, non seulement acceptable, mais soit euh, bien. Alors, il ne doit, euh, doit pas y avoir toutes ces mouches euh, euh, avec nous, si vous voulez, toutes ces odeurs. Et nous savons aujourd'hui qu'il y a plusieurs raisons euh, médicales pour lesquelles Dieu a donné ce statut-là. Le fait d'enterrer les excréments pour ne pas que les gens soient malades. Et les bactéries dans le sol et les insectes vont défaire ces excréments-là et vont les retourner à la terre. Mais de façon naturelle, ça a été prévu comme ça par les lois de Dieu. Ce sont des principes divins. Nous avons été créés à partir de la poussière de la terre. Et nos excréments doivent retourner simplement à la terre. C'est comme ça que Dieu nous a fait et a fait les choses. Plusieurs personnes dans le monde ne comprennent pas ce principe aujourd'hui. C'est pourquoi... Plus de 2 millions de personnes meurent chaque année de la diarrhée et de ses suites parce qu'ils n'enterrent pas leurs excréments et qu'ils boivent des eaux contaminées, parce qu'ils envoient leurs excréments dans une rivière, dans les cours d'eau et qu'ils boivent cette eau-là par la suite. Pourtant, ce sont des principes de base. Ce sera tout à fait différent dans le monde à venir parce que ces statuts-là que Dieu nous donne ici vont être appliqués. Et, et c'est pourquoi il n'y aura plus de maladies dans le monde à venir. Graduellement, ça va être éliminé. Exode chapitre 15, s'il vous plaît. Exode chapitre 15 et le verset 26. Exode chapitre 15 et le verset 26. Voyons ce qui est mentionné. Il dit ici, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais tout ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Voyez ce qui arrive si on met en pratique les lois de Dieu? Car je suis l'Éternel qui te guérit et qui te protège des maladies. Et c'est l'application des principes simples que nous avons vus. De sorte que les gens ne mourront pas de ces choses-là dans le monde à venir, parce qu'on appliquera ces lois-là, ces statuts-là. Allez à Lévitique chapitre 25, s'il vous plaît. Lévitique chapitre 25. Voyons ici, pour voir comment ça va être dans le monde à venir. Lorsque ces lois et ces statuts seront observés et appliqués, Lévitique 25 et le verset 8, tu compteras sept sabbats d'année, sept fois cette année, sept fois cette année, et les jours de ces sept sabbats d'année feront 49 ans. La dixième le dixième jour du septième mois, tu feras retentir le son éclatant de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la cinquantième année, et vous publierez la liberté dans le pays pour tous les habitants. Ce sera pour vous un jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété, et chacun de vous retournera dans sa famille. L'année du jubilé. Encore là, c'est un autre statut de Dieu. Chaque cinquantième année. Les possessions foncières, les propriétés vont retourner à leurs propriétaires original. Ça, ça va être merveilleux. À la fin de 50 années, les propriétés vont retourner à leurs propriétaires originaux si les propriétaires ont manqué de sagesse ou ont eu des problèmes et ont perdu leurs biens. Ce principe est établi pour éviter que certaines personnes deviennent propriétaires de tout. Verset 23, les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi, comme étrangers et comme habitants. Dans tout le pays, vous aurez la possession, vous en aurez possession et vous vous établirez le droit de rachat sur les terres. Il nous est dit que les nations d'Israël vont retourner dans la région de Jérusalem à ce moment-là, ils vont être établis euh, là-bas. Ce serait merveilleux si votre famille aujourd'hui avait encore la parcelle de terre que vos ancêtres avaient il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans, 500 ans. La société serait totalement différente, pensez-y. Nous n'aurions pas quelques individus qui possèdent des terres à l'infini et qui achètent terre par-dessus terre, propriété par-dessus propriété. Aux États-Unis comme dans d'autres pays occidentaux, Habituellement dans le passé, les fermiers avaient une petite pièce de terre et vivaient là-dessus. Aujourd'hui, ce sont de grands conglomérats qui achètent ferme sur ferme et qui ont des dizaines de milliers d'hectares, qui sont des grandes entreprises finalement. Et il n'y a plus ces petits fermiers qui vivaient indépendamment. Si ce principe de Dieu était appliqué, il n'y aurait pas cette possession par quelques grands conglomérats de toutes les terres ou de grandes terres. Pourquoi les gens font-ils la guerre Parce qu'ils veulent avoir des terres, ils veulent avoir les ressources qui sont en dessous de, de ces terres-là, le, le diamant, l'or, le pétrole, ils veulent avoir les terres fertiles. Mais si à chaque 50 années, ça devait être retourné à son propriétaire original, il n'y aurait plus de guerre pour posséder des terres comme ça. Voyez comment ce principe-là est censé et comment ça va amener un monde paisible, heureux et satisfaisant. Pour les gens. À ce moment-là, dans le monde à venir, le gouvernement ne pourra plus prendre vos terres. Et s'il le faisait, il ne le fera pas, mais s'il si, le faisait, il devrait le rendre, parce qu'à tous les 50 ans, ça va être rendu à son propriétaire. Pas besoin de grandes villes dans le monde à venir, de grandes métropoles. Pourquoi est-ce que les gens vivent entassés dans d'immenses euh, villes? Parce qu'ils ne possèdent plus de terres. Ils n'ont plus d'endroit où vivre. La seule chose qu'ils peuvent se permettre, c'est une toute petite parcelle de terre parfois autour de la maison ou parfois simplement un plancher dans un immense édifice. Et c'est pourquoi les gens vivent entassés dans les villes. Dans Ésaïe 5, verset 8, il nous est dit, malheur à ceux qui joignent champ à champ et maison à maison. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'espace à vivre. Vous savez, lorsque les gens auront leur propre terre, leur propre vigne, leur propre jardin, lorsqu'ils auront de l'espace, les gens vont être paisibles. Il n'y aura pas de gens au-dessus de vous qui vont faire du bruit. Vous allez aller dormir euh, en paix. Vous n'entendrez pas la musique du voisin et vous n'entendrez pas la discussion entre les voisins en dessous de vous, par exemple, parce que ce sera paisible, tranquille. Vous allez être chez vous. Voilà le principe ici. C'est le principe de l'année du jubilé. Et ça va être extraordinaire quand ça sera appliqué. Il y a plusieurs années, ma famille possédait plusieurs arcs de terrain dans la Pennsylvanie. C'était des euh, cultivateurs produisant du lait dans un, un magnifique paysage aux plusieurs collines. Je suis retourné ré récemment dans ce coin de pays, et vous savez, la plupart de, cette, de ces terres-là sont propriété maintenant de Conglomérat, et je n'ai même pas le droit de mettre le pied sur la propriété sans aller chercher un permis pour mettre le pied sur cette propriété et entrer dans la grange où mon grand-père euh, trahit les vaches. Ça fait plus de 50 ans maintenant que nous n'avons plus cette propriété, mais dans le monde à venir, la propriété de terre sera permanente. Et si la propriété doit être abandonnée pour une raison quelconque, ça sera ramené et redonné à la famille chaque 50 ans. Les gens vont vivre selon les commandements de Dieu, selon ses statuts, selon ses jugements, et la terre va toujours appartenir aux mêmes gens. Vous aurez toujours et les gens auront toujours un endroit à eux de la terre, une terre qu'ils vont appeler mon chez-nous, mon foyer. Allons voir un dernier point ici, c'est un autre Commandement, Exode 20. Exode 20. Et ça, on va voir un autre aspect du monde à venir, comment, quand ces lois seront appliquées. Exode 20, chapitre 20, verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Voici comment ce sera dans le monde à venir quand les gens vont observer le sabbat. Voyez avec moi ce que ça va d'être. Suivez dans mon voyage. Imaginez. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est au milieu de toi. Aucun travail le jour du sabbat, pour quiconque. Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Comment ce sera dans le monde à venir, lorsque tout le monde va travailler pendant six jours avant le sabbat? Il y a un certain nombre de personnes aujourd'hui qui travaillent très fort, qui travaillent six jours par semaine, et qui sont pénalisées dans un sens pour le faire, alors que d'autres ne travaillent pas. Vous savez, dans plusieurs pays, les impôts chargés à ceux qui travaillent sont très lourds. Les gens ne donnent pas 10 de leurs revenus. L'impôt vient leur chercher 30, 40, 50 et 60 de leurs revenus pour soutenir les programmes sociaux de ces pays-là, pour soutenir des personnes qui ne travaillent pas. Mais dans le monde à venir, il n'y aura pas besoin d'avoir ces programmes sociaux-là. Et ça va être merveilleux pour tout le monde. Dans l'économie de. Plusieurs pays européens. Maintenant, il y, a un, il y a un début de déclin majeur. Et les pays commencent à couper sur les temps de vacances, par exemple, et sur les bénéfices sociaux. Et dans certains endroits, on dit bien, plutôt que d'avoir dix semaines de vacances, vous allez avoir maintenant huit semaines ou six semaines de vacances. Et vous allez avoir avec ça des réactions sociales très fortes. Dix semaines de vacances par année, ça veut dire euh, une, une journée par semaine. Alors ce n'est pas six jours de travail, en réalité c'est quatre ou cinq jours par semaine si on compte ça de cette façon-là. Mais dans le monde à venir, les gens vont travailler, vont travailler six jours, vont observer la première partie de ce commandement-là et vont observer la deuxième partie de ce commandement-là aussi. C'est-à-dire qu'il n'y aura personne qui va travailler, même les serviteurs ne travailleront pas le septième jour, le jour du sabbat. Il n'y aura aucun commerce, aucun échange, aucun voyage, aucune moisson qui va être faite le jour du sabbat. Pensez à ça. Imaginez ce monde extraordinaire. Nous sommes ici dans les jours saints de la tête des tabernacles où nous ne devons pas travailler. Qu'est-ce qui se passe autour de nous? Les voitures circulent, les, les commerces fonctionnent, les gens euh, travaillent, les marteaux se font entendre, les gens font de l'argent. Il y a des guerres qui sont en train d'être livrées actuellement, des gens qui se tuent. Les stéréos et les télévisions euh, lancent le, le, leur bruit partout. Mais dans le monde à venir, ce ne sera pas comme ça le sabbat tout sera fermé, tout s'arrêtera et les gens vont vraiment se reposer, vont relaxer, il n'y aura pas toutes ces distractions mondaines autour. Vous savez, euh, en Amérique, le jour le plus populaire pour tondre les gazons, c'est le sabbat. Alors pour ceux d'entre nous qui essayons d'observer le sabbat, parfois on s'assoit euh, sur notre patio ou on essaie d'aller prendre une marche et tout ce qu'on entend autour, c'est le concert des tondeuses à gazon. Et, Parfois, on n'entend même plus le chant des oiseaux, tellement il y a de bruit. Mais ça ne sera pas comme ça dans le monde à venir. Pensez-y. Je vais vous lire une petite histoire de comment ça va pouvoir être le jour du sabbat dans le royaume de Dieu. Imaginez la description que je vous donne. Imaginez-vous dans ce contexte, vous allez prendre une marche le long d'une plage, c'est le sabbat, c'est le matin, vous entendez les vagues. Qui viennent euh, se bousculer sur le bord de la mer. Le ciel est beau, le ciel est bleu. Vous entendez en même temps les oiseaux. Avec ça, il n'y a aucun bruit, il n'y a pas de musique qui vient vous déranger, il n'y a pas de machinerie qui travaille, il n'y a pas de bruit sourd, il n'y a pas de gens qui s'entretuent, il n'y a pas de klaxon de voiture. Simplement, la musique de l'eau, la musique des chants d'oiseaux que Dieu a créés. Et vous rencontrez. Des gens qui vous souhaitent un bon sabbat, peut-être que vous leur parlez quelques instants, et vous parlez du sabbat, de comment c'était avant, comment c'est maintenant, comment Dieu l'a créé au-delà de 6000 ans dans le passé, et vous échangez là-dessus avec enthousiasme, et vous goûtez ces instants précieux. Tous ceux que vous allez rencontrer vont connaître, vont savoir ce qu'est le sabbat. Vous ne serez plus désormais une île ou un îlot, entouré d'une mer euh, de gens qui pensent différemment ou qui agissent différemment, mais tout le monde va observer les lois de Dieu. Peut-être que des dauphins vont s'approcher et vont lancer leur petit cri. Et peut-être que vous allez pouvoir euh, vous approcher et les caresser. Peut-être qu'il y aura d'autres créatures marines qui vont s'approcher. Des, des, des petits phoques, par exemple, qui vont peut-être venir sur le bord euh, de l'eau, et vous allez pouvoir les gratter derrière les oreilles. Peut-être qu'un oui, magnifique perroquet sortira des bois et viendra se placer sur votre épaule. Il sera rempli de belles couleurs jaune, rouge, vert, et peut-être que dans sa dans son bec, il y aura euh, une grappe de raisin, et vous pourrez en prendre et goûter, et en profiter, et voir et goûter les beautés de la création de Dieu vous allez peut-être aller vous asseoir sur un rocher près de la forêt et tout à coup un immense tigre qui va sortir doucement des euh, broussailles et qui va se coucher devant vous, qui va se rouler sur le dos et là vous allez pouvoir euh, le gratter en dessous du cou, sur l'estomac, il va ronronner avec sa voix sourde. Quel jour magnifique, quel jour de sabbat extraordinaire dans le monde à venir. Pour tous ceux que Dieu a fait à son image. Ce sera merveilleux. Un peu plus tard, peut-être que vous allez prendre un petit dîner et vous allez vous habiller avec vos plus beaux vêtements et vous allez euh, vous rendre à pied à quelques minutes de là à la Sainte Convocation, à la réunion du sabbat, calmement, joyeusement, paisiblement, et vous allez fraterniser avec les gens de l'Église et vous allez entendre des messages euh, inspirants. Et tout le monde va quitter l'assemblée après enthousiasmé de ce qu'ils ont entendu et vont peut-être se donner rendez-vous pour un, le repas du soir pour finir le sabbat ensemble. Et après ça, vous rentrez chez vous avec les membres de la famille et peut-être vous allez aller visiter des gens euh, qui, avant ça, n'avaient pas connu la vérité, qui ont passé à travers la grande détresse. Et vous êtes maintenant leur enseignant, vous allez vous asseoir avec eux Peut-être manger un peu de ce bon fromage que vous aurez préparé ou qu'eux auront préparé à partir du lait de leur chèvre ou de leur vache. Et manger un bon pain fait à partir de, du grain de vos récoltes. Peut-être vous allez à ça, joindre à ça des pommes-grenades, des noix de coco, des bons fruits que vous aurez récoltés ou qu'ils auront récoltés de leur euh, champ. Et vous allez assis avec eux et vous allez leur parler. Et les membres de votre famille qui n'auront jamais auparavant euh, compris la vérité vont être ébahis, enthousiasmés de comprendre le plan de Dieu, de découvrir ce grand créateur, le majestueux gouverneur de l'univers et de réaliser le potentiel extraordinaire qu'ils ont eux aussi. S'ils sont des vainqueurs aussi, s'ils vivent selon les lois de Dieu, s'ils aiment les lois de Dieu, ils vont découvrir leur potentiel d'être changés comme vous avez été changés en être spirituel pour devenir membre de la famille de Dieu et avoir la vie éternelle pour servir et honorer le grand Dieu de l'univers pendant l'éternité et continuer d'accomplir un plan qui va se développer jusque dans l'éternité et dont on n'a pas encore tous les détails. Imaginez votre famille qui euh, n'auront pas, pas encore connu la vérité, peut-être qui vous persécutent aujourd'hui, vont vous embrasser, vont vous serrer dans leurs bras et vont peut-être embrasser vos pieds, parce que c'est marqué qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui viennent annoncer les bonnes nouvelles. Ils vont vous aimer pour ce que vous leur enseignez, pour votre patience et pour que le fait que vous ayez tenu bon. Ils vont être enthousiasmés de ce que vous connaissez, de ce que vous allez leur donner. Waouh, quel sabbat extraordinaire vous allez vivre dans le monde à venir. Est-ce que vous pouvez le voir? Est-ce que vous pouvez y goûter? Est-ce que vous pouvez le sentir littéralement? Est-ce que c'est réel pour vous? Est-ce que vous le voulez ardemment? Est-ce que vous voulez de tout cœur que ce monde actuel disparaisse et que le Christ revienne en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs, comme un éclair? Est-ce que vous voulez de tout cœur que ce grand changement-là mondial arrive? que vous désirez cet instant où le Christ descende sur les nuées et que vous soyez changé en un instant et que par la suite vous puissiez enseigner vos parents, vos amis, ceux qui auront traversé la grande tribulation? Est-ce que vous voulez de tout cœur observer ce grand sabbat de mille ans qui s'en vient? Voilà ce que nous célébrons actuellement. C'est pourquoi nous sommes ici à la fête des tabernacles, pour voir d'avance ce qui s'en vient, pour voir d'avance comment. Ça va être le monde à venir quand tous les commandements et les statuts de Dieu vont être élaborés sur la face de la terre et que la connaissance d'Éternel remplira la terre totalement. À quel point est-ce que c'est réel pour vous? Et ce que je vous dis là, c'est un tout petit aperçu de ce qui s'en vient. Tout petit aperçu. C'est seulement la pointe de l'iceberg ou du glacier, si vous voulez. Ça sera beaucoup plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer. Mais s'il vous plaît, durant cette fête, laissez-vous rêver, laissez-vous imaginer. Parlez-en avec vos frères et sœurs ici à la fête. Qu'est-ce que Dieu en réserve dans son royaume? Pensez de ce que vous attendez, ce que vous espérez, ce que vous avez hâte de voir se réaliser. Pensez-y, rêvez-en. Frères et sœurs, la fête des tabernacles symbolise un temps merveilleux qui s'en vient, le règne millénaire du Christ et de ses saints, nous tous, sur la face de la terre. Nous avons été appelés pour... Aider le Christ, pour l'assister dans son administration de la terre. Durant le millénaire, durant le millénium, la loi de l'Éternel va remplir la terre. Et ce fleuve qui va sortir de Jérusalem va guérir les eaux physiquement aussi. Nous connaissons ces choses maintenant et nous sommes enseignés. Et ce que nous euh, savons maintenant va avoir pour résultat la paix dans le monde à venir. Dans une société incroyablement paisible. Vous savez, l'obéissance aux lois de Dieu, à ses commandements, à ses statuts, à ses ordonnances, provoque, amène comme conséquence la paix, l'abondance, la joie, le bonheur. Aujourd'hui, on voit comme à travers un verre dépoli, bien sûr, mais ce qu'on voit est déjà tellement enthousiasmant et le petit peu qu'on voit nous remplit de, de joie et d'enthousiasme par rapport à ce qui vient. Alors, ce que nous... Nous apercevons actuellement, c'est simplement un tout petit aperçu, comme je vous dis. Mais prenez le temps, au cours de la fête, d'imaginer comme il faut. Lisez les dix commandements, les statuts de Dieu pendant que vous êtes ici. Lisez Exode 20 à 23, Lévitique 25, 26, Deutéronome, chapitre 4, surtout à la fin du chapitre. Parlez avec votre famille de ces choses-là et avec les membres autour de vous. Demandez à Dieu de vous aider. Et... De vous aider à être enthousiasmé concernant la raison pourquoi vous êtes ici, concernant cette fête-là, concernant ce qu'elle représente. Vous savez, l'avenir est extraordinaire. C'est un avenir incroyablement grand et Dieu nous donne maintenant son Saint-Esprit, un dépôt, des, les arts de l'Esprit, pour que nous puissions nous continuer à nous soumettre à Lui, pour qu'il travaille avec nous et qu'il nous prépare pour ce grand royaume. Allez à Isaïe chapitre 2 pour un dernier verset, s'il vous plaît. isaïe chapitre 2. Un dernier regard sur ce qui vient, ce merveilleux monde à venir. Ésaïe, chapitre 2, commençons verset 1, verset 2, pardon. Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel, c'est-à-dire le gouvernement de Dieu, sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Remarquez bien, ils ne seront pas forcés de monter à la maison de l'Éternel. Ils vont dire Allons-y, il faut y aller, on veut être là, on veut apprendre, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des oyaux et de leurs lances, des serpents. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Un temps incroyable. Frères et sœurs, le fait d'obéir à la loi de Dieu totalement, c'est ce qui va amener la paix dans le monde à venir. Et c'est pourquoi nous sommes ici, que nous devons en vivre de cette parole maintenant. Bienvenue, bienvenue à la fête des tabernacles. Réjouissez-vous à cette fête. Réfléchissez aux lois de Dieu et à sa signification. Et demandons à Dieu de nous donner un zèle plus grand, un enthousiasme plus grand, une vision plus claire de ce qui s'en vient. Laissons Dieu nous aider à voir ce qui vient. Laissons Dieu nous donner du goût et demandons à Dieu de nous donner de sentir ce que va vraiment être le merveilleux règne dans le monde à venir, le règne de Dieu sur la face de la terre.